C'est une voix à décoiffer les églises, à réveiller les anges et à cajoler les saints. Cette voix qui a donné naissance au blues et au rock'n'roll, c'est la voix du gospel. Plus qu'une musique, plus qu'une foi, le gospel est le chant même de la culture noire américaine. Ce soir, sur Arte, une nuit de transe et de ferveur, à la rencontre d'une musique qui a conquis le monde entier. Avant les vidéos du rap, avant les scopitums du rock, il y avait les soundies du gospel. On glissait une petite pièce dans le jukebox et on avait le son et l'image. Les soundies, quatre petits bijoux d'émotion pure. Dans les années 70, Al Green est le roi de la soul, qui chante comme personne l'amour et ses plaisirs. Pourtant, il va se tourner vers Dieu et devenir révérend de sa propre église. Mystique, mais toujours aussi chaud, c'est le gospel selon Al Green. Mais tout de suite, un voyage aux sources vivantes du gospel. Des temples de Brooklyn aux églises du Mississippi, cap sur le paradis du swing et de la ferveur, on my way to heaven.